Marie veut que la fraction coloriée en rose dans le modèle B soit la même que la fraction coloriée en rose dans le modèle A. Combien de blocs dois-tu colorier dans le modèle B pour respecter la consigne de Marie? Donc, on a ici le modèle A, on a ici le modèle B. Celui qu'on doit colorier, c'est le modèle B, au moins en partie, pour avoir la même fraction coloriée en rose que dans le modèle A. Donc déjà, on va écrire sous forme de fraction la surface coloriée en rose dans le modèle A. Pour faire ça, il faut déjà qu'on compte le nombre de parties égales qu'il y a dans le modèle A. Alors, on va le faire ensemble. Il y a une partie, une deuxième partie, une troisième, une quatrième et une cinquième partie. Donc, dans notre fraction, on va avoir 5 au dénominateur. Pourquoi? Parce qu'au total, on a 5 parties égales. Maintenant, pour écrire la fraction qui correspond à la partie coloriée en rose dans le modèle A, on va compter le nombre de parties sur les 5 qui sont coloriées en rose. Et bien ici, c'est facile, il y en a une seule sur les 5. Donc 1 sur 5 ou 1 cinquième, c'est la fraction du grand rectangle du modèle A qui est coloriée en rose. Et ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait aussi 1 cinquième du modèle B qui soit coloriée en rose. Mais dans le modèle B, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'on n'a pas 5 parties égales. Donc on va déjà commencer par compter le nombre de parties égales qu'il y a dans le modèle B. On va le faire ensemble. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Au total, il y a 20 parties égales dans le modèle B. Ça veut dire qu'au dénominateur, on va déjà avoir 20. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 parties égales au total. Et ce qu'on voudrait, en fait, c'est trouver une fraction équivalente à 1 cinquième qui s'écrive avec 20 au dénominateur. Mais on ne sait pas ce qu'il y a au numérateur pour l'instant. Donc on va mettre un point d'interrogation et on va chercher ce quelque chose. On va écrire ce problème-là en dessous ici. On a 1 cinquième et on cherche une fraction équivalente avec 20 au dénominateur. Et ici, un point d'interrogation. Comment est-ce que je fais pour déterminer ce point d'interrogation? Quelle est la valeur de ce point d'interrogation? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est regarder les dénominateurs et se demander quelle opération on doit faire pour passer de 5 à 20. À ton avis, quelle opération je fais pour passer de 5 à 20? Oui, c'est bien ça. Pour passer de 5 à 20, il faut multiplier 5 par 4. Si je fais 5 fois 4, j'obtiens 20. Donc, pour obtenir une fraction équivalente, ce qu'il faut faire, c'est multiplier le numérateur par le même nombre que celui par lequel on a multiplié le dénominateur. Donc, on va multiplier 1 par 4 aussi. Si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on obtient une fraction équivalente. Alors, 1 fois 4, ça fait combien? C'est bien ça, ça fait 4. Et 5 fois 4, on a dit que ça faisait 20. Donc ici, on a trouvé notre fraction équivalente, ça y est. 4 vingtièmes, ou 4 sur 20, c'est une fraction équivalente à 1 cinquième. Ici, ce qu'on cherchait, en fait, c'était un 4. Donc 4 vingtièmes. Donc je sais que pour respecter la consigne de Marie, si je veux la même quantité du grand rectangle colorié en rose dans le modèle B que dans le modèle A, il faut que je colorie 4 parties sur les 20 au total qui sont ici. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va colorier 4 blocs en rose. Donc 1 bloc, 2 blocs, 3 et 4. J'ai colorié 4 blocs sur les 20. Et comme on a fait le calcul ici, 1 cinquième, c'est une fraction équivalente à 4 vingtièmes. Donc c'est bon, on a respecté la consigne de Marie. On a la même fraction coloriée en rose dans le modèle A que dans le modèle B. Et on va juste faire un petit dessin pour s'en assurer. Regarde, si je poursuis ce trait-là en pointillé ici, et ce trait-là aussi en pointillé ici, eh bien oui, je remarque que j'ai exactement la même surface coloriée en rose dans le modèle B que dans le modèle A. Ce que je suis en train d'entourer en vert dans les deux modèles correspond à la même surface. À une prochaine vidéo !